Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur le premier épisode de Je vous explique. Pour ce premier épisode, je vous avais demandé dans un sondage dans la bande-annonce quel thème pour la première vidéo. Et vous m'avez vachement aidé car il y a eu 50-50. La moitié des participants souhaitaient de l'histoire et l'autre moitié des batailles. Donc j'ai tranché, ce sera un épisode sur la bataille d'Austerlitz. Malheureusement pour certains, heureusement pour d'autres. Bon visionnage! Au milieu de l'année 1805, une troisième coalition se forme contre la France. Ne pouvant frapper la tête de la coalition, l'Angleterre, Napoléon en frappera le bras, l'Autriche. Le 3 septembre, renonçant à traverser la Manche, l'empereur entraîne à grandes enjambées la grande armée à la rencontre des armées austro-russes. Napoléon Ier vainc les Autrichiens à Ulm en Bavière le 20 octobre. Puis il entre triomphalement à Vienne le 14 novembre. C'est la première fois de son histoire que la capitale des Habsbourg doit s'incliner devant un conquérant. Pendant ce temps, le général russe Kustusov se replie au-delà du Danube. Le 19 novembre, l'avant-garde française dépasse Blum, aujourd'hui Brno, chef-lieu de la Moravie en Tchéquie, et atteint le village d'Austerlitz, aujourd'hui Slavkov-Oblona, 9 km plus loin. Face à elle, entre 73 000 à 86 000 austro-russes. En infériorité numérique, les Français, malgré leur avance foudroyante, sont dans une situation inconfortable, d'autant qu'une armée autrichienne menace d'arriver d'Italie sous le commandement de l'archiduc Charles. Napoléon Ier veut contraindre l'ennemi à la faute, et pour le vaincre dès que possible. Le 28 novembre, à la surprise de ses maréchaux, il demande à Murat, Lannes et Soult d'abandonner le plateau du Pratzen, de haute valeur tactique. Cette manœuvre de repli apparaît aux yeux de l'ennemi comme un aveu de faiblesse. Le 29 novembre, Napoléon, de mauvaise humeur, reçoit le prince Dolgorouki et lui propose un soi-disant armistice. C'est une stratégie pour faire croire à l'ennemi que la France n'en peut plus. Mais les Russes se montrent trop exigeants et le dialogue est rompu. L'empereur décide donc de provoquer la bataille à l'endroit qu'il a choisi avant que les Austro-Russes aient le temps de concentrer toutes leurs forces. Ce sera Austerlitz. Persuader tactiquement les alliés, Napoléon place peu de troupes sur son flanc droit. Il prévoit que les alliés, voyant le point faible du dispositif français, quitteront leur position dominante, c'est-à-dire le plateau du Pratzen, pour envelopper les Français et leur couper la route de Vienne, car il croit qu'elle est indispensable aux Français pour battre en retraite en cas de défaite, alors qu'en fait, l'empereur se serait replié sur Paris. Au centre, Soult et ses 20 000 hommes contre-attaqueront et couperont l'armée ennemie en deux, en attaquant le plateau du Pratzen laissé sans défense. Lannes, 15 000 fantassins, et Murat, 8 000 cavaliers, au nord, défendront leur position pour renforcer son flanc droit. Napoléon prie Davout de quitter Vienne, où ses troupes sont stationnées, et de le rejoindre à marche forcée. Les 8 000 soldats de Davout parcourent alors 110 km qui les séparent du champ de bataille en 48 heures, 36 heures de marche exactement. De plus, il place la cavalerie de Margeron au château de Solkonitz, et dispose de la division Legrand à Sokolnitz. Il ordonne également au 3e régiment de ligne de Legrand de tenir Telnitz jusqu'à l'arrivée de Davout. Enfin, la garde impériale, 5 000 grenadiers, et le 1er corps de Bernadotte, 12 000 hommes,
reste en réserve. Le positionnement des Français pour la bataille fut envoyé aux différents maréchaux dans le bulletin de disposition générale pour la journée du 11 primaire en 14, c'est-à-dire le 2 décembre 1805. L'artillerie française compte 139 canons. Monsieur, monsieur, notre général est sous une attaque. Le 1er décembre, à 20h30, Napoléon réunit ses maréchaux pour un dernier conseil. Chacun désormais sait précisément son rôle pour le lendemain. À 22h, il part à cheval avec une escorte de 20 chasseurs rejoindre le sud du champ de bataille afin d'entendre les Russes prendre leur position sur le plateau du Pratzen. Dans l'obscurité, il dépasse les positions françaises et des Cosaques surgissent de la nuit. Mais l'escorte de l'empereur les repousse. De retour sur les lignes françaises, il s'arrête dans le bivouac du 13e de ligne des régiments de Vandamme, du corps de Soult. Dans l'obscurité, l'empereur se heurte à une souche d'arbres. Un chasseur de son escorte l'éclaire en allumant une poignée de paille et en la fixant sur un bâton. Un an jour pour jour après le sacre de Napoléon, toute la compagnie limite et 70 000 hommes répartis en 12 bivouacs font de même puis renouvellent les feux pendant plus d'une heure. Voyant ce spectacle, les Russes et les Autrichiens croient que les Français brûlent leur campement, sûrs de leur défaite. Nos hommes battent en retraite, monsieur.
en trois temps. Le premier temps, les assauts sur Telnitz et Solkonitz. Les Austro-Russes, voyant peu de Français en face d'eux, à cause du brouillard, se jetèrent sur Telnitz et Solkonitz, les deux villages au sud d'Austerlitz. Cette attaque était théoriquement acquise pour les coalisés, mais ils avaient oublié un détail. Le brouillard cachait toute une armée tapie dans l'ombre, c'est celle de Davout, qui vient d'arriver et qui n'attend plus qu'à se jeter sur l'ennemi. Les troupes coalisées descendent le Pratzen et le peu de troupes se trouvant en face d'eux simulèrent un repli dans le brouillard. Pendant ce temps, au nord, l'Han fait contourner ses 13 000 hommes l'ensemble des troupes coalisées descendant le Pratzen. Mais retournons à Telnitz. Les Français viennent de repousser deux attaques des Russes sur le village, mais Kienmeyer, le général russe, envoie pour un troisième assaut 3 000 hommes et 600 cavaliers sur Telnitz. Cette fois-ci, les Français sont obligés de se retirer, mais les Russes les poursuivent et tombent dans le piège de Napoléon. Suivant inconsciemment les troupes françaises, ils ne se rendirent pas compte qu'ils fonçaient tout droit sur Davout, et les Russes s'empalèrent sur les baïonnettes de 13 000 soldats. Cet assaut sur Telnitz est terminé. Quant à Solkonitz, il n'aura suffi qu'un seul assaut pour détruire une unité russe. La première phase est terminée. Nous avons tué leur général, monsieur. Nous allons les briser, c'est sûr. Une belle victoire, monsieur, que vous allez bientôt remporter.
hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un peu de repos. Maintenant, c'est aux Français de s'amuser. C'est la deuxième phase, l'attaque du plateau du Pratzen. La surprise est totale chez les Russes. Les colonnes de Przebiotchevski et de Kolorat sont assaillies de flanc en plein mouvement. Les divisions de Saint-Hilaire et de Vandamme chargent et s'enfoncent à l'arme blanche dans les rangs russes. Le combat, d'une rare violence, ne dure que quelques minutes. Les Russes de Kolorat sont culbutés, entraînant les soldats de Przebiotchevski dans leur débandade. À 9h, les Français sont maîtres du plateau, au sommet duquel Soult installe ses canons. Kutuzov, voyant ses pires craintes se confirmer, prélève alors des unités des troupes de Langeron et de Doktourov pour reprendre le Pratzen. Ces ordres provoquent ainsi dans la première et la deuxième colonne une véritable cohue dans les unités descendant du plateau et celles montant à l'assaut. Le général Langeron envoie un de ses régiments à l'attaque. L'artillerie de Soult le harcèle pendant qu'il remonte le plateau, creusant de larges trous dans les rangs serrés des Russes. Puis, une décharge de la mousqueterie de Saint-Hilaire force Langeron et ses troupes à abandonner. Pour aider Soult, Napoléon envoie Bernadotte, jusqu'à là tenue en réserve, au nord du plateau, tandis que la garde impériale est envoyée à Pratzen. Vers 11h, Kutuzov envoie toutes ses réserves reconquérir le plateau. Il envoie les 4000 soldats de la garde à pied russe, mais celle-ci, mal commandée et peu entraînée, part de trop loin et arrive essoufflé devant le 4e régiment de ligne français, commandé par Joseph, le frère aîné de Napoléon. Les voltigeurs français prennent rapidement le dessus de l'élite de l'armée russe et les poursuivent. Profitant de la faiblesse de cette unité de voltigeurs, une infanterie légère, peu armée, qui n'aura pas le temps de se former en carré, seule formation d'infanterie efficace contre la cavalerie, c'est celle que vous avez pu voir au tout début de la vidéo, Kutuzov contre-attaque en envoyant 10 escadrons de cavalerie lourde. Le choc est brutal, et après une vaine résistance des Français, les cavaliers russes s'emparent de l'aigle du régiment. Aussitôt, Rapp et Bessières, accompagnés de leurs 375 chasseurs à cheval de la garde, 48 mamelouks et 706 grenadiers à cheval de la garde, chargent les Russes en deux vagues, en criant « Faisons pleurer les dames de Saint-Pétersbourg ». À 1 contre 4, les Français se battent furieusement. Un mamelouk revient à 3 reprises apporter à l'empereur un étendard russe. La troisième fois, Napoléon veut le retenir, mais il s'élance de nouveau et ne revient plus. C'est tiré des cahiers du capitaine Coignet. Et les chevaliers de la garde de Constantin sont battus. Leur chef, le colonel Repnine, fait prisonnier, est présenté comme trophée à Napoléon. Avec l'échec de la garde russe, la bataille est perdue pour les alliés. L'armée est coupée en deux au sud. Au sud, Andro et Doktourov, isolés, battent en retraite, tandis qu'au nord, Bagration résiste aux assauts de Lannes et Murat. Malgré de lourdes pertes, il bat en retraite en bon ordre. Les Russes et les Autrichiens battent en retraite. Il ne reste plus qu'à sonner l'alali, c'est-à-dire tuer ou capturer tous les survivants austro-russes. À 14h, Kutuzov étudie seul les voies de retraite. Le tsar et tout l'état-major ayant déjà fui une heure plus tôt, au centre, Kolorat, la garde russe et la cavalerie de Liechtenstein sont en pleine déroute et retraitent vers l'est. Au sud, Napoléon ordonne à Soult de quitter le plateau du Pratzen et de couper la retraite aux premières et deuxièmes colonnes russes, tandis que Davout fait pression à l'ouest et reprend Solkenitz. À 15h30, n'écoutant plus leur officier, 20 000 Russes fuient en désordre et espèrent échapper à l'encerclement en traversant les marais et les étangs gelés, proches des villages de Melnitz et Sachsen. Mais quand l'artillerie française tire pour briser la glace, les hommes et leur matériel s'enfoncent dans l'eau. Paniqués et gelés, 2 000 Russes parviennent à regagner la rive où ils sont immédiatement faits prisonniers. La question de l'enfouissement dans l'étang de Melnitz de 10 000 Russes a longtemps fait débat. Suchet, chargé par Bonaparte de vider les étangs de Melnitz et de Sachsen, ne trouva le 4 décembre que 36 canons, 138 chevaux et 3 cadavres.
mais il n'exclut pas que les villageois des alentours n'aient enterré précipitamment des centaines de noyés. La victoire française est indiscutable. Andrault décrit la panique des Russes. Il faut avoir été témoin de la confusion qui régnait dans notre retraite, ou plutôt dans notre fuite. Pour s'en faire une idée, il ne restait pas deux hommes d'une même compagnie ensemble. Les soldats jetaient leurs fusils et n'écoutaient plus leurs officiers, ni leurs généraux. Ceux-ci criaient, fort, inutilement, et couraient comme eux. Il y a eu aussi d'énormes conséquences, principalement des pertes. Les Français comptent 1537 morts, 6943 blessés et 573 prisonniers. À chaque blessé, Napoléon offre 3 napoléons d'or, c'est-à-dire 60 francs, de 500 à 2000 francs aux officiers selon leur grade et 3000 francs aux généraux. Ils ont récupéré 173 prisonniers. La plupart appartiennent à la division Friant ou à la division Legrand. Mais ont perdu le drapeau du 4e de ligne. L'empereur est particulièrement fâché de la perte de cet aigle impérial. Les alliés, donc les Austro-Russes, comptent 16 000 morts et blessés et 11 000 prisonniers. Ils déplorent également la perte de 45 drapeaux, remis au maire de Paris dans une cérémonie du château de Schönbrunn. Ils iront honorer la cathédrale Notre-Dame de Paris pendant un mois avant d'être placés à la voûte de l'église Saint-Louis des Invalides. Les 185 canons pris sont employés pour fondre une partie de la colonne de Vendôme à Paris. Il y a eu aussi des conséquences militaires. Kutuzov, qui a perdu son gendre Ferdinand von Tissenhausen, organise inlassablement la retraite de l'armée russe. Celle-ci se regroupe dans la nuit et part pour Göding, franchissant la Marche, une rivière large comme la Marne, servant de frontière entre la Moravie et la Hongrie. Puis il retourne en Russie via la Galicie. Andrault présente sa démission. Przebyszewski est ramené au rang de simple soldat, tandis qu'Alexandre éloigne Kutuzov de l'armée en le nommant gouverneur de Kiev. Le 3 décembre, Napoléon envoie la cavalerie de Murat poursuivre les Russes, sans succès. Et enfin, des conséquences politiques. Au soir du 3 décembre, Napoléon reçoit un émissaire de François II, le prince de Liechtenstein. Celui-ci demande l'arrêt des combats pour négocier la paix. Le lendemain, Napoléon et François II se réunissent au Moulin Brûlé, à une vingtaine de kilomètres au sud d'Austerlitz. Les deux souverains conviennent d'un armistice et des principales conditions de paix autour d'un simple brasier. Ils s'entendent même sur la responsabilité du conflit. Les Anglais sont des marchands de chair humaine. Ils payent les autres pour se battre à leur place, s'exclame l'empereur autrichien. Après une heure d'entrevue, Napoléon demande « Votre Majesté me promet-elle donc de ne plus faire la guerre ?» Et François II répond « Je le jure et je tiendrai parole. » De retour à Vienne, acclamé par ses sujets, François II dit à l'ambassadeur français « Croyez-vous, monsieur, que votre maître pourrait ainsi retourner à Paris, ayant perdu une bataille comme je l'ai perdue ?» Le 26 décembre, l'Autriche signe le traité de Presbourg, aujourd'hui Bratislava. Elle perd 4 millions de sujets à la Vénétie, capitale pour son commerce à cause de la présence du seul port de l'Autriche. Venise, ainsi que ses dépendances d'Istrie et de Dalmatie en outre, elle doit donner ses territoires allemands comme le Tyrol, et au profit de la Bavière et du Württemberg. La France a alors les mains libres pour réorganiser l'Allemagne. La Bade devient un grand-duché, tandis que la Bavière et le Württemberg deviennent des royaumes. Ces trois États forment en juillet 1806 le noyau de la Confédération du Rhin. Le 6 août 1806, François II renonce à son titre d'empereur germanique et devient alors l'empereur François Ier d'Autriche et dissout le Saint-Empire romain germanique. Enfin, l'Autriche paye une indemnité de 40 millions de florins, soit un septième de son revenu national. La Prusse, effrayée par ce coup de tonnerre, signe le 16 décembre à Schönbrunn un traité d'échange de territoire favorable à la Prusse. Napoléon donne à la Prusse le Hanovre, domaine du roi d'Angleterre, contre les villes de Neuchâtel, Clèves et Ansbach. À la nouvelle du désastre de l'armée alliée, le premier ministre anglais William Pitt, responsable de la coalition, demanda à son valet de détacher la carte d'Europe accrochée au mur et en disant « Roulez-la, elle ne servira plus pendant les dix prochaines années. » Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo qui était assez longue, mais j'ai cherché à faire quelque chose d'assez, comment dire, imposant, d'assez gigantesque pour cette première vidéo, quelque chose qui marque. J'espère que ça vous a plu.
Il y a de grandes choses aussi, une grande chance aussi, si vous ne connaissez pas, si vous n'appréciez pas la stratégie, que vous n'ayez pas compris certaines choses, ne vous en faites pas. Une deuxième vidéo sur Austerlitz sera diffusée, où elle sera beaucoup plus courte et aussi beaucoup plus simple à comprendre, avec des touches toujours des touches d'humour par-ci par-là à l'intérieur. Je vous diffuserai sûrement aussi une vidéo surprise, donc je ne vous en parle pas encore pour l'instant, en espérant que ça vous plaise. Et on se retrouve très prochainement avec un nouveau thème. N'oubliez pas d'aller voir sur le petit icône en haut à droite de la vidéo. Je laisse tout le temps un sondage ou une question aux abonnés et aux personnes qui me regardent. Merci d'y participer. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de la partager, de laisser un commentaire. À bientôt!